Au Chili, des incendies ravageurs ont déjà fait au moins 13 morts et une vingtaine de blessés. Le pays est actuellement frappé par une vague de chaleur extrême avec des températures proches de 40 degrés. Sur les 200 feux actifs, près de 50 sont hors de contrôle. L'un des épicentres de la tragédie est la ville de Santa Juana, située au sud de Concepción, où le président Gabriel Boric a prévu de se rendre. Le gouvernement chilien a déclaré l'état de catastrophe dans deux régions du centre du pays.